première étape de fait, Tamanegara à Jerentu. Et là, à Jerentu, on attend le train pour Cluan. Donc le train part à 11h20 et il arrive à 15h. Et après, on prend un autre train à 15h20 et on arrive à 17h à Cluan. Voilà. Là, je suis à la gare, vous voyez derrière moi les rails. Et là, ça nous a coûté Jerentu jusqu'à Cluan. On a pris les deux billets. Ça nous a coûté 46 ringgins pour deux. Donc, pour savoir en euros, il faut diviser par 5. Donc, ça va. Et de Tamanegara en bus jusqu'ici, on a eu pour 1h30 de trajet environ. Et ça nous a coûté 25 ringgins. Bon, on vient d'arriver, on a changé de quai et on a pris un autre train qui va nous emmener jusqu'à Cluan. Donc c'est le troisième transport, le deuxième train, troisième transport pour aujourd'hui. Il est 15h, tout juste 15h. Voilà. On pense arriver vers 17h52, donc vers 18h on va dire. Voilà, à tout à l'heure. On vient d'arriver à la gare de Cluan et il est presque... Quelle heure il est? Presque 18h. Enfin, depuis ce matin, 9h, 8h, 18h. Et là, on va passer la nuit comme prévu et demain matin, rebelote pour l'île de Tioman. Omer Singh d'abord et l'île de Tioman ensuite. À plus tard. Bonjour. Après bien des péripéties, nous sommes arrivés à l'embarcadère de Mer Singh pour prendre le ferry. Je vous raconterai tout à l'heure. De Fekek et on récupère nos sacs à dos. Ils sont en train de sortir les bagages. Ça y est, on a récupéré nos sacs et maintenant normalement on a un chauffeur qui nous attend. Ça a été c'est l'hôtel qui nous a commandé un chauffeur et on va y aller. Et Hervé doit être derrière moi je crois. Voilà, l'eau est très très claire, hein. Très très claire, on est content d'être là, enfin, on ne pensait pas qu'on allait y arriver, mais bon, au lieu de 7 jours, on n'a eu que 3 jours, on va prendre avec, hein, parce que sinon c'est complet partout, partout. On vient juste d'arriver de notre logement et disons qu'on est très déçus. Bon, c'est grand, ça va, la chambre ça va, mais c'est un peu très vétuste pour 50 euros la nuit. C'est la première fois qu'on paye aussi cher, qu'on a un truc aussi minable.
salle d'eau, un lave-main, la douche au-dessus des toilettes. Vraiment, c'est minable. On nous promet la piscine est là. Il faut la chercher. De toute façon, on ne l'a pas trouvée. Hein. Le seul truc, c'est que la mer, c'est pas loin, effectivement. La mer est là. 50 mètres, ça va. Et puis, par contre, il y a des animaux qui font un peu peur. C'est des varans, je crois. Moi, j'ai peur de ça. On dirait un petit crocodile. Voilà. C'est vrai qu'on est déçus, là. Très déçus. Bon. On a déjà payé. On va rester. Heureusement que finalement qu'il n'a pas accepté, qu'il avait plus de place, soi-disant, jusqu'au 7. On va rester que 3 nuits, donc c'est tant mieux. Voilà, voilà, on va se détendre et puis on va aller chercher à manger. Et puis allez, on va aller dans la turquoise, plonger dans la turquoise. Voilà. À plus tard. Me revoici aujourd'hui, donc nous sommes toujours sur l'île de Tioman, bien sûr. Et du coup, on n'était pas très content de notre bungalow. Et donc, on a demandé à changer. Donc, bon, c'est bon, on a changé. Voilà le premier point. Et sinon, il y a un varan là dans le coin qui traîne et j'ai un peu peur. Mais bon, on verra, je vais m'habituer, le temps de m'habituer, parce que c'est pas, on dirait un petit crocodile miniature, là. Et sinon, là, on a trouvé un resto un peu boui-boui, un peu original, on va dire, sur la plage. Et ben, on verra ce qui, nous, on a commandé, des légumes, et des nouilles, et Hervé, un hamburger. C'est très sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. Et je vais vous faire voir la mer si on voit quelque chose. Voilà. Donc là, il est quelle heure là? Il est 19h27. Donc il ne fait pas tout à fait nuit. Et donc on va manger. Et puis on va bien dormir, je pense, parce qu'on est réveillé depuis 4h du matin. Oui, parce qu'à 4h du matin, on a essayé d'avoir on a failli rater le ferry. 4h du matin, à 5h, entre 5h et 6h, on a essayé d'avoir un grab. Et on l'a eu qu'à 6h15 et il fallait 1h30 de route. Notre ferry était prévu à 7h30. On est arrivé à 7h27. Et heureusement que nos billets ont été pris par le staff de l'hôtel. Le billet de ferry et le staff de l'hôtel qui travaille sur le ferry. Enfin voilà, heureusement pour nous parce qu'il nous a attendus. Et dès qu'on est arrivé du taxi, on est tout de suite rentré dans le ferry. Et puis voilà, ça s'est vite passé. Voilà, voilà, on était un peu dans la course. Donc ce soir, on va bien dormir. Et demain, peut-être un petit footing sur la plage. On verra, on verra. À demain. Bonjour, avec ce beau paysage, je vous fais un petit coucou. Tout va bien, on a décidé de buller pendant quelques jours. Donc ben voilà, on bulle. J'ai mon explorateur qui revient là. C'est vraiment beau, hein? Il n'y a personne. Le pire, il n'y a personne. Quelques touristes comme nous, éparpillés. Tranquille. Quelqu'un qui baigne.
Ça, c'est les nouveaux supports pour la clim, le moteur de clim. Et là, on est sorti de notre cabane sur la plage pour aller chercher un petit boui-boui pour déjeuner. Alors, on n'est pas beau avec une belle chemise. On a trouvé un boui-boui amélioré pour manger. Avec vue sur la plage. Avec vue sur la mer. Thank you. Et ça, c'est le premier plat qui arrive. La salade. D'accord. Salade verte. Et là, c'est la mer. Ça, c'est la mer. Voilà, j'ai commandé une salade, mais je suis surprise que c'est vraiment une salade. Salade verte. Salade verte, pas bon. Oui, non. Bon, on va prendre le ferry et direction Merzing et après on se retrouve à Merzing. Bye bye. Donc on est arrivé sur Merzing à la jetée et on a été voir où se trouve la gare routière parce que là il est 11h et, et notre bus est à 16h30 donc on a de quoi attendre. Donc on a trouvé la gare, on a pu déposer nos gros sacs à dos en consigne. Ils prennent 3 green beans par sac. Et comme on a faim, donc là on a trouvé, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, comme un street food, mais ce n'est pas dans la rue, c'est ouvert et c'est chinois. Donc moi j'ai pris, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, donc c'est un buffet, donc moi je me suis servi de poisson et pas mal de légumes, du riz. Donc j'en ai eu pour 10 ringgits, donc 2 euros. Et Hervé, il a préféré un buns au poulet. Chicken, ouais. Et 3 jambes bouchons. Et après, pour le dessert, moi j'ai pris un buns au haricot rouge. Et t'en as eu pour combien là? 11,50. 11 ringgits, donc à peine 2-3 euros. Donc nos repas, ça doit coûter combien? 5 euros en gros. Voilà, bon appétit. Hey, beautiful. Il voulait que je prenne une photo de ce durian, mais ça m'en tient pas trop parce que l'odeur me repugne. Alors c'est bon ton buns? Mon big buns? Ton buns. Le premier était bon, au poulet. Celui-là c'est au chocolat. Ouais, chocolat noir. La goutte bleue, on verra. Oui, c'est bon. Montre-moi, c'est bon. Ah, ok. Et vous avez vu, il y a des bouteilles de bière. C'est pour ça qu'on aime aller chez le chinois. Parce que chez le chinois, il y a de la bière. Comme c'est un pays musulman, donc c'est rare qu'on trouve de la bière. C'est seul le chinois. Quoi. Voilà. Bon, ben, on finit notre repas. Vraiment, l'ambiance est indescriptible.
trop génial. Il n'y a que nous, comme blancs, je dirais, européens, étrangers. Enfin, il y a d'autres étrangers, mais il y a des Chinois, donc... Il y a un cap qui vient d'arriver. C'est trop drôle. J'adore. On est là depuis 14h30. Notre bus est à 16h30. Et là, il est 16h20. Et donc, j'espère qu'il va être à l'heure. Parce qu'on a un peu marre d'attendre. On est toujours à la gare de Merzine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le premier jour que nous sommes à Melaka ou Malaka. Les deux ça se dit. Et vraiment agréablement surprise. Et pour le peu que j'ai vu là ce matin, parce que j'ai pas l'impression d'être en Asie. Et en plus, comme... C'est propre là ici, les bâtiments sont entretenus. Franchement, j'ai pas l'impression d'être en Malaisie, ça m'a surprise. Et tout est nickel, tout est... Franchement, rien à dire. Là, on va continuer notre petite balade. On est à la recherche toujours de quelque chose à manger. Il est déjà temps parce qu'on n'a pas mangé... Il est 10h57 et depuis hier 14h on n'a pas mangé. On a voyagé toute la nuit et on est arrivé à l'hôtel à 1h du matin. On a fait 9h de bus. On était très très crevés, on vient de se réveiller. Voilà, voilà, ça fait tout.
qui s'appelle Kota Lodge. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes toujours à Melaka ou Malaka et aujourd'hui nous avons décidé de faire un tour dans le quartier portugais qui est à 3 km du quartier chinois ou on loge dans le quartier chinois. Donc c'est 3 km de notre hôtel. Et on a décidé bien sûr de le faire à pied. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. Et je vais filmer de temps en temps sur la route là, comme vous voyez, c'est des vélos. C'est l'attraction du soir. Ils sont tous allumés avec la musique à gogo. Si on veut faire un tour, c'est un genre de vélo tuk-tuk. C'est le mémorial de la proclamation de l'indépendance. Notre journée crapahuitage, un café avec une belle intention pour monsieur et pour moi, ben, smoothie de mangue passion, et on attend notre le reste, donc ça va être pancake et smoothie bowl. Voilà, bien sympa ce petit café. Nous sommes toujours à Melaka, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le canal en bateau et monter sur une petite colline, voir ce qui reste d'une église construite par les Portugais et faire un tour à Little India aussi, je pense, que pour acheter des épices. Et puis c'est tout, voilà, vous savez tout, à plus tard. Ah, le petit déjeuner de monsieur est prêt, c'est trop beau, j'espère que ça va être bon. Attends. Et pour Sabine, les pancakes classiques.
sommes dans le quartier portugais. Et là, il y a beaucoup de petits restos d'ouvert. Et la mer est à droite. Et donc, on verra ce que ça donne. On a déjà commandé, du poisson à la portugaise. On verra bien. Et puis une bière, bien sûr. Bien bon. Si vous passez par ici, il faut venir au numéro 10. Voilà, dans le quartier portugais. On va monter là-dedans. Voilà. Pour moi, c'est une première, en tout cas. À moi aussi. Dans un truc comme ça. On va monter. On voit pas le haut. Non. Ça y est, nous sommes dans la tour. Oh, ça va être plein. On va s'envoyer en l'air. Voilà, on est monté là-haut. Coucou, je vous prends aujourd'hui. Là, je suis dans un resto. Et parce qu'on est en train de charger ma vidéo. Car la Wi-Fi à l'hôtel ne marche pas. Donc on a trouvé un restaurant pour charger la Wi-Fi. En même temps, on va manger. Donc je vais vous montrer ce qu'on va manger. C'est beau, j'espère que c'est bon. C'est bon? Bon, ben bon appétit. Bonjour. Aujourd'hui, nous quittons la Malaisie pour Singapour. Et donc là, on va prendre un crab pour nous emmener à la gare centrale, la gare routière, pour prendre un bus. Et après, ben, on ira à Singapour en bus. On en a pour au moins 4 heures, hein. Peut-être plus, on ne sait jamais avec les bus. Et donc, quand je suis arrivée, je n'ai pas filmé la chambre. Du coup, ben, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer la chambre. Voilà. Donc, on a une...
assez grande chambre, un peu vieillotte, hein. Mais bon, c'est propre, on va dire c'est propre de loin, pas trop clair, mais c'est propre. Donc là, il y a une coiffeuse, bureau coiffeuse, et bon, les toilettes, comme d'habitude, en Asie, voilà. Bon, après, il y a des hôtels plus sophistiqués que ça, mais bon, vu le prix qu'on a payé. Donc là, il y a un bureau, le lit, et on a une fenêtre avec un genre de terrasse, on va dire, petite terrasse. Et en face, il y a le marché, en fait, un petit. En face, là, il y a un marché, et bon, ça n'a pas trop fait de bruit. Ça a été, on va dire. Bon, c'est assez sympa finalement, parce que on voit la vie des gens. Il n'y a pas de touristes hein, sur le marché. On voit que des locaux et que des Chinois. Reste pas de musulmans, je trouve. Je vois pas de femmes voilées. Non, il n'y a que des Chinois qui viennent là. On a été faire un tour. C'était agréable. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure dans le bus. Ah oui, je ne vous ai pas donné le nom, le prix de la chambre. Le prix de la chambre, ça nous a coûté 14 euros. C'est ça ? 14,57 €. Ok, merci chef. Nous sommes arrivés à la gare centrale. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et donc, on a commandé sur Internet nos billets. Et on reçoit par mail après la réservation. Et avec ce document, il faut présenter au comptoir en échange des billets pour monter dans le bus. Voilà, je donne ça à titre indicatif pour les intéressés éventuellement. Et donc là, ben, on attend notre bus. Il y a un peu de monde. Je vais vous montrer. Voilà, c'est assez grand.